C'est une aristoloche. Alors les aristoloches, c'est toute une famille de plantes qui fait d'assez jolies fleurs. Et celle-là, elle n'est pas tout à fait caractéristique parce qu'elle n'est pas ouverte. Ça commence comme ça, puis ça s'ouvre. D'accord. Alors c'est très peu utilisé en plantes ornementales, simplement parce que l'odeur est assez désagréable. C'est une famille de plantes qui a une stratégie de créer des mauvaises odeurs, si tu veux, pour attirer les insectes. Il y en a une, je ne sais plus si c'est cette aristocheuse-là ou une autre, qui avait vraiment l'odeur du crottin de cheval. Ah oui, on n'a pas Alors, trop envie. Faut aimer. Moi, au moins qu'on ait déjà des chevaux chez soi. Moi je trouve pas ça si désagréable, tu vois, mais je me rappelle visiter la serre avec quelqu'un un jour. Le mec me regardait, on se regardait, il se demandait d'où venait cette mauvaise odeur, il se demandait depuis combien de temps je ne m'étais pas lavé, tu vois. Et en fait, c'est mon aristoloche. C'est dommage que tu ne la vois pas ouverte, parce que ouverte, elle a... Moi, je trouve que ça ressemble à un foie malade, mais c'est quand même une curiosité. Et surtout, moi, j'en ai vu plusieurs fois dans la nature. Là, alors là, elles ne sont pas très, très grosses, mais on obtient... C'est pas la saison, tu vois, on est en octobre, hein, oui. C'est la deuxième floraison. Tu verrais ces fleurs au printemps, elles sont gigantesques. Jamais, alors là, vraiment jamais dans la nature, elles ne poussent aussi grosses. Jamais. J'en ai vu plein dans la nature, j'en ai vu encore il n'y a pas longtemps à Mayotte. Et la fleur, c'est ça, maximum. Tout ça, tu vois. D'accord. Alors que tu viendrais au printemps, les nôtres, c'est vraiment gigantesque. Bon, on reviendra voir ça au printemps alors. Il faudra que tu reviennes au printemps.